bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette cérémonie des vœux 2022. Cette année, nous sommes en direct de la salle des fêtes dans un format encore particulier compte tenu du contexte. Pour cette soirée un peu particulière, pour cette émission, vous allez pouvoir assister à des interventions de l'équipe municipale qui vont soit mettre à l'honneur des personnalités locales, soit interviewer des personnes ce soir, acteurs de la vie locale. Il y aura également les interventions de Monsieur le maire. Vous pourrez aussi profiter de certaines intermèdes vidéo ou musicaux pour vous divertir. Sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer. Et de ce pas, nous allons rejoindre Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Brogniart, qui est accompagné de Madame Isabelle Tiberghien, son adjointe à la communication. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Madame Tiberghien. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir à tous et à toutes. Donc, effectivement, Mathieu, vous disiez des vœux un peu particuliers à nouveau, donc qui engendrent encore une fois chez moi une certaine frustration. Alors, donc, Monsieur le Préfet a demandé à ce qu'il n'y ait pas de public, donc c'est pour ça que nous diffusons en direct sur notre page officielle Facebook Ville de Wambrechies, donc des vœux en distance, mais un peu différents de l'année dernière. L'année dernière, nous avions pris le parti de faire des vœux enregistrés, c'est-à-dire qu'on avait du temps, on pouvait faire des erreurs. Alors là, même si on a le droit de faire des erreurs, nous ne sommes pas des professionnels des émissions télévision, mais toutefois, j'ai demandé à Mathieu et à l'équipe communication donc d'organiser des vœux en direct, ce que nous allons faire. Donc je demanderai un peu d'indulgence, s'il vous plaît, Wambrecitaines et Wambrecitains. Je vous salue en tout cas. Bonjour à tous et à toutes et merci aux personnes qui ne sont pas venues nombreuses dans le public, mais il y a des élus, je peux voir d'ici, des élus du conseil municipal et d'autres personnes qui interviendront, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure. Donc deux temps dans ces vœux. Un premier temps où maintenant je vais faire quelques remerciements et puis ensuite nous passerons à des interventions un petit peu plus personnelles d'acteurs, comme disait Mathieu tout à l'heure, d'acteurs qui... ont fait vivre la ville ou qui font encore vivre la ville aujourd'hui. Donc les merci. Donc, je ne peux pas faire autrement parce que j'ai aussi cette frustration de ne pas avoir pu présenter mes vœux aux agents, puisque la crise fait que les rassemblements sont un peu interdits en ce moment et bon, on comprend tous pourquoi, mais cette frustration de ne pas pu avoir présenté mes vœux aux agents, c'est aussi la frustration de ne pas avoir dit merci aux personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2021. Mais je voudrais quand même les citer. C'est une certaine manière aussi de les mettre à l'honneur. Donc c'est d'abord Philippe Clabot qui était au service logistique, Martine Gallois qui était au service des écoles. Vous l'avez connu souvent quand vous veniez à l'accueil à la mairie. Martine Gamelin qui était elle plutôt dans les services, qui s'occupait du courrier, Alain Claes qui était à la comptabilité, Pierre Six qui était aux espaces verts et puis Jean Gallois tout récemment qui est parti, qui a fait beaucoup plus que ce qu'il devait faire. Il a fait 45 ans et 2 mois je crois de service pour la ville de Wambrechies. Donc je tiens dans un premier temps donc à remercier ces 6 personnes et comme le public m'a applaudi tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse les applaudir parce qu'ils le méritent vraiment. Ça sera également des personnes que j'ai souhaité mettre à l'honneur, donc je ne vais pas les citer maintenant puisque elles viendront, mais Monsieur Sasse, mon premier adjoint, remettra 2 médailles de la ville. Il y a longtemps que ces médailles existent et beaucoup n'ont pas été, enfin il y en a peu qui ont été données plutôt, et Michel aura l'honneur de remettre 2 médailles de la ville et ensuite nous laisserons Madame Liseau, donc notre députée, remettre 4 médailles de l'Assemblée nationale. Pareil, je ne dis pas à qui, vous aurez la surprise tout à l'heure. Ensuite, j'aimerais remercier nos interprètes, Sébastien et Priscille, qui sont aujourd'hui là pour traduire pour les personnes sourdes et malentendantes la retransmission de ces vœux, parce que nous avons souhaité dans mon mandat mettre au service de tous les Wambrecitains et toutes les Wambrecitaines tout ce que nous proposons. Donc nous travaillons beaucoup pour l'accessibilité et la présence de Sébastien et Priscille ce soir est un des signes de cet engagement. Vous n'êtes pas passé à côté du fait que mon programme politique s'appelait Wambrechies, ce lien qui nous unit. Donc effectivement, ouvrir à tous, c'est bien évidemment une marque de lien. Mais dans le Wambrechies, ce lien qui nous unit, il y avait un arrobase. Et ça, je suis certain que ça ne vous a pas échappé. Et cet arrobase marquait un petit peu notre volonté, marquait beaucoup même notre volonté de moderniser notre système de communication et compléter ce qui existait déjà. Donc nous avons un site internet qui marche bien. Nous avons l'Expresso qui arrive tous les mardis matin. Vous pouvez donc toujours vous y abonner via la page, via le site de la ville. Vous pouvez vous abonner à cet Expresso. Donc nous avions deux points de communication qui étaient importants. Nous avions également la Gazette que nous avons appelée Le Lien. Et nous avons donc souhaité compléter ce qui existait par le développement de la page Facebook. Donc je rappelle la page officielle Facebook, pardon, donc Ville de Wambrechies, tout simplement, Ville de Wambrechies. Et puis je m'étais engagé aussi sur deux points. Le premier point, c'était la mise à disposition pour les Wambrechitains d'un nouveau canal d'information qui était les panneaux LED dans la ville. Donc sachez que donc on a une réunion demain d'ailleurs avec ma directrice de cabinet, Madame Atarsa, que je remercie pour tout le travail qu'elle fait au quotidien. Nous avons une réunion demain pour voir un petit peu placer précisément ces 4 panneaux d'information LED, donc qui seront placés courant janvier. Et puis ensuite, j'avais j'avais pendant ma campagne fait des lives Facebook et je trouvais dommage que il y avait plus ce contact malgré tout virtuel où les Wambrechitains et les Wambrechitaines pouvaient interagir, poser des questions en direct. Donc je vais relancer 3 lives Facebook durant l'année 2022, 23, 24 et ce jusque 2026. Après on verra Et puis, dernier point, nous nous étions engagés, mon équipe et moi-même, sur la mise en place d'une application. Donc, voilà, je suis très heureux avec Isabelle Tiberghien, donc, qui est adjointe à la communication aujourd'hui, de vous dire que l'application est disponible sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous précipitez pas, attendez 1h30, 2h que nos vœux soient terminés. Mais voilà, je suis heureux de vous dire qu'après ces vœux, vous pourrez télécharger l'application Wambrechies. Donc je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous en dire plus sur cette application. Alors, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de cette application qui a été développée conjointement avec tous les services de la mairie et plus particulièrement, je tiens à les remercier, le service communication. Donc une application au service des Wambrechitains où vous pourrez retrouver tout ce qui est actualité, vie de la commune, mais également la possibilité de faire des signalements et donc de suivre toute l'activité, mais aussi mettre en valeur notre patrimoine très riche par des parcours, des itinéraires que vous pourrez suivre dans la ville avec des points d'intérêt, tout ça géolocalisé. Donc utilisez votre téléphone portable et quand vous passez devant un point d'intérêt, vous aurez une notification si l'application est ouverte. Donc une application à destination des Wambrechitains, mais aussi des personnes de passage pour découvrir justement notre ville. Donc plus qu'un discours, je pense qu'on peut lancer une petite vidéo qui va vous présenter cette nouvelle application. Eh bien, merci Madame Tiberghien, merci Monsieur le maire, merci pour ce nouvel outil qui va plaire aux Vambrecitains et plaire à toutes les personnes qui vont venir découvrir notre jolie ville de Wambrechy. Pour continuer cette soirée de cérémonie des vœux, nous allons commencer par des premières mises à l'honneur. Monsieur Michel Sasse, premier adjoint en charge des finances et du personnel notamment, a le plaisir ce soir de mettre à l'honneur deux personnes, deux personnalités locales pour leur investissement, toute leur vie, pour la ville de Wambrechy. Monsieur Sasse va mettre à l'honneur Madame Jeannette Deteuf et Monsieur Pierre Penquin. Jeannette, Pierre, bonsoir. Voici le moment des mises à l'honneur et je remercie du fond du cœur Monsieur le maire de m'avoir confié ce rôle. La médaille de la ville, certes, est moins prestigieuse que celle de l'Assemblée nationale, que vous avez reçue tous deux il y a quelque temps déjà. Mais les amoureux de Wambrechy que vous êtes apprécieront très certainement ce geste de reconnaissance de la ville à laquelle vous avez tant et beaucoup donné. Cette distinction reconnaît votre engagement au service de la collectivité et de ses citoyens. Elle est rare, puisqu'elle n'a été donnée que 5 ou 6 fois depuis 1993. Je vais commencer tout d'abord par Jeannette, Madame Jeanne Deteuf, mais elle est beaucoup plus connue sous le nom de Jeannette. S'il fallait définir le bénévolat, on ne pourrait pas trouver meilleur exemple. Mariée à 20 ans, avec Jean-Marie, elle vient s'installer à Wambrechy, où elle donnera naissance à 6 enfants, 5 garçons et une petite dernière, Sylvie, pour couronner le tout. Elle recevra pour cela la médaille de la famille nombreuse des mains de Gérard Leroy. Sa situation de mère de famille ne l'empêche pas de s'investir très vite auprès des autres, les enfants en particulier. Surveillance de cantine, centre de loisirs, catéchisme, et pour cela, elle passe son BAFA en 1970. Après un court passage au conseil municipal, un peu plus d'1 an, elle se lance en 1990 avec le comité des fêtes de Robertsart et organise la première braderie à Wambrechy. En 2001, à l'aube de sa retraite, elle prend en présidence l'association des fêtes de Robertsart. Siège au conseil d'administration de l'OGEC Saint-Va-la-Providence, où elle donne là aussi beaucoup et est très active. Quelques années plus tard, elle quitte sa maison devenue trop grande pour le centre-ville, ce qui lui rend beaucoup plus aisé ses activités au sein de la paroisse. Qu'auraient fait nos différents curés successifs sans elle? Elle connaît les moindres recoins de l'église, de la sacristie, du presbytère. Et jusqu'à un passé très récent, elle ouvrait les portes de l'église, mettait le chauffage pour la messe, assurait l'entretien de la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Aujourd'hui, marquée quelques soucis de santé, elle ne reste pas inactive. D'ailleurs, comment le pourrait-elle? Avec 16 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Et comme dirait l'autre, ce n'est pas fini puisque 2 sont en cours de finition. Jeannette, pour toutes ces raisons, pour ta gentillesse, ton investissement, je te dis merci. Et je te me remets maintenant la médaille de la ville. Merci. Si tu veux t'asseoir, Jeannette, il n'y a pas de souci. Ça va? Tu restes avec moi? Maintenant, Pierre. Cher Pierre, je suis heureux de t'accueillir ici ce soir, en direct, sur Facebook, pour te remettre à toi aussi cette médaille de la ville. Je dirais même de ta ville. C'est celle de l'Assemblée nationale que Monsieur le maire souhaitait te voir décerner ce soir, pour ton action, mais comme je l'ai dit en introduction, ce sera ce soir la médaille de la ville. Et je pense que tu seras très heureux de recevoir celle-ci puisque tu as participé à sa conception. Je connais la portée de ce geste à Pourtois, car nous avons travaillé de nombreuses années ensemble et je sais ton amour pour Wambrechies, ton affection pour ses habitants, ton attachement à l'histoire de cette commune et si singulière dans laquelle tu es né et où tu as toujours vécu avec ta formidable famille qui t'a toujours suivi, notamment Christiane, ton épouse, sans laquelle tu n'aurais jamais pu réaliser tous tes rêves. Je n'oublie pas bien sûr tes deux filles, toujours présentes quand la vie se montre parfois injuste. Par ton engagement politique en 1994, tu as contribué largement à l'essor de la ville pour lui donner le visage qu'elle a aujourd'hui. Unique président de l'Office de tourisme du Val-de-Deule jusqu'à la reprise de cette compétence par la MEL, sachant tirer profit de la présence de celle-ci, tu as fait d'elle un atout, un pôle touristique pour notre région. Tu as aussi été très longtemps, sans ménager ta peine, adjoint aux travaux et à la culture. Ton investissement associatif au service du patrimoine et ta présence unique parmi les Wambrechitains et Wambrechitaines te rendent particulièrement populaire. Tu as toujours été très apprécié pour toute ta gentillesse, mais aussi parce que tu es représentatif justement de l'histoire de notre ville, et notamment par ton investissement dans la restauration du château de Robertsart, auquel tu as largement contribué de révéler sa richesse. Conférencier, écrivain de l'histoire locale, collectionneur, les cordes que ton arc sont multiples. Mais c'est bien ta disponibilité, ta bienveillance et ton engagement pour la ville qui nous amènent ce soir à te remettre cette médaille et à te souhaiter de poursuivre tes passions comme tu l'entends, avec ce même enthousiasme. Cette récompense qui t'est remise aujourd'hui, je pense que toute la population sera d'accord pour moi, pour te dire que tu la mérites amplement. Merci Pierre pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais encore pour la commune, car je crois savoir que tu as en chantier un autre ouvrage sur les chapelles. Sur les bistrots et les chapelles. C'est... Ce sont des synonymes. Voilà. Et Pierre, bon, maintenant, je vais te remettre cette médaille. Ben, c'est avec beaucoup de joie que je reçois cette récompense. Effectivement, je pense que mon engagement, il est naturel et je pense que si j'aime ma ville et si j'aime ses habitants, c'est effectivement pour trouver beaucoup de plaisir et beaucoup de recevoir cette récompense avec beaucoup d'émotion et je te remercie Michel. Eh bien, merci Monsieur Sasse pour ce petit discours qui a retracé la vie de ces deux personnalités très marquantes dans Wambrechies pour un engagement très long, très durable et qui n'est pas terminé comme vous l'avez dit. Je me trouve à présent pour continuer les mises à l'honneur en présence de la députée, de notre circonscription, Madame Brigitte Liseau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci surtout à Sébastien Brogniart d'avoir organisé cette remise des vœux un peu particulière cette année encore en direct. Merci de m'y avoir invité. Comme chacun sait, nous avons encore fort à faire pour vaincre ce virus, mais je pense qu'ensemble, nous y parviendrons. Si chacun s'engage, nous y arriverons, je n'en doute pas. Et puis je vais en profiter pour parler d'engagement, puisque j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de remettre des médailles de l'Assemblée nationale à 4 Wambrechitains. Je vais rappeler M. Michel Sasse, puisqu'il est le premier récipiendaire de la médaille de l'Assemblée. M. Sasse, nous nous connaissons maintenant depuis presque 5 ans. Nous avons beaucoup et bien travaillé ensemble. Bien avant que moi-même je n'arrive, vous êtes arrivé à Wambrechies en 1980, c'est cela. Vous êtes premier adjoint de l'équipe municipale actuelle, mais vous avez déjà une belle carrière en termes de conseiller et adjoint à la municipalité. Vous êtes également adjoint aux finances et chacun sait que les finances de Wambrechies sont très saines. Mais vous avez également une grosse action et un gros engagement dans l'associatif. Au niveau de la GRS, club dans lequel vous êtes investi depuis 1982, avec votre épouse, n'oublions pas les épouses, vous avez toujours montré une grande disponibilité et une vraie écoute pour les Wambrecitains et les Wambrecitaines, et cela ne s'est jamais démenti. Je le disais, votre parcours municipal est un parcours sans faute, gestion budgétaire impeccable, une manière d'équilibrer qui vous a valu la confiance de toutes les équipes qui se sont succédées, mais aussi le respect de vos collègues élus des services municipaux. Cette médaille de l'Assemblée nationale que j'ai l'infini honneur de vous remettre aujourd'hui, c'est la reconnaissance de votre investissement, cher Michel, dans la vie de la commune, mais c'est aussi dans la politique locale, plus large encore que la mairie. Vous êtes membre actif du CIVOM Alliance Nord-Ouest ou encore au conseil d'administration de la résidence Aubert, du collège de Berre et j'en passe. Avec toutes mes félicitations, je vous remets la médaille. Bon, je reprends la parole, mais très court. Je suis très honoré que Madame Liseau me remette aujourd'hui cette médaille de l'Assemblée. Elle est superbe. Je vous souhaite à tous de l'avoir un jour. Ça fait 25 ans que je travaille pour la commune. Bon, pour la GRS, toute petite rectification, c'est pas depuis 82, c'est depuis 86. Bon, c'est pas loin non plus. Mais en 82, elle n'était pas créée, donc c'est pour ça que... Voilà, un grand merci encore. Et un merci à Sébastien de m'avoir proposé. Je veux, je peux. Voilà la devise de Brigitte Drumez ou Drumé. Alors, elle m'a dit tout à l'heure que dans le Nord, on ne dit pas un aise. Donc, pour ce soir, ce sera Drumé, même si vos origines espagnoles devraient nous donner l'occasion de faire le petit z à la fin. Vous êtes une jeune retraitée de la communication et présidente de l'association des Étoiles dans les yeux. Et les étoiles dans les yeux, madame, je les ai vues encore tout à l'heure, quand vous m'avez expliqué tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites encore et ce que vous ferez pour les plus malheureux, les enfants qui sont hospitalisés. Vous avez su associer la maladie, malheureusement, mais aussi le sport. Et vous avez su insuffler à tous ces enfants une puissance, une énergie qui les a très certainement aidés à vaincre leur maladie quand cela était possible. Comme votre famille le dit, vous avez dans le sang le chromosome du bénévolat. C'est une belle chose de dire ça comme ça. Et donc, vous avez prioritairement investi dans l'association des parents d'élèves et puis la création, enfin, des Étoiles dans les yeux, avec 4 autres mamans, qu'il ne faut pas oublier, qui ont malheureusement toutes été touchées par la maladie ou la mort d'un enfant. L'objectif de votre association est d'apporter modestement des petits moments de bonheur aux enfants hospitalisés par le biais du sport. Et très vite, l'association finance la première salle de sport dans l'hôpital de Roubaix. Et puis, ça c'était en 2008, mais d'autres arriveront ensuite, Calais, Seclin, Douai. Et tout à l'heure, vous m'avez confié que c'est maintenant les hôpitaux qui viennent vers vous et qui vous demandent de participer à ce bien-être pour les enfants. Cette médaille de l'Assemblée nationale, madame, vous l'avez largement méritée. Toute cette petite chose que vous avez créée pendant tant d'années, je vous dis merci, mais en fait, c'est toute la France qui vous dit merci, et bien sûr, Wambrechies. Je suis très émue de vous remettre cette médaille, mais c'est un grand plaisir. Merci Madame la députée, merci Monsieur le maire, merci à tous. J'ai pas l'habitude de parler des miens, mais j'ai mon fils qui est hospitalisé en Belgique depuis des années. Il est en train de me regarder. Vincent, je t'aime. J'ai une pensée pour ma famille, parce que quand on parle de bénévoles, ben on ne pourrait pas être bénévole si notre famille acceptait pas votre investissement personnel, vos absences. Donc merci à l'ensemble de ma famille. Je pense à mes enfants, mes petits-enfants. Et puis je pense aussi aux jeunes patients qui sont hospitalisés, qui depuis peu, les hôpitaux interdisent les visites. Nous, pour l'instant, dans nos 7 salles de sport, on peut encore intervenir et prendre des enfants, mais je pense aux jeunes patients hospitalisés, puis je pense aux familles aussi. Et puis une petite lueur d'espoir, je pense qu'on va s'en sortir. Merci à tous et portez-vous bien. Monsieur Gilbert Helbout, vous aussi, vous êtes un personnage à Wambrechies. On vous connaît bien sûr pour votre activité professionnelle que vous avez exercée pendant de très nombreuses années à Wambrechies et qui, paraît-il, vous valait une réputation bien au-delà des frontières de la ville. Vous étiez boucher-charcutier. Rien n'était supérieur à un morceau de filet découpé par vos soins. On me l'a dit, on me l'a répété, on en parle encore dans les maisons de Wambrechies. Vous avez été à l'initiation de beaucoup d'expositions commerciales dans la commune entre 1989 et 1992, en particulier au château de Robertsart. Vous avez participé à plusieurs concours de métiers de bouche, au salon Équipe Nord par exemple, premier prix en 89, 90, 91. Ça a du sens quand même. Vous avez également reçu le Mercure d'Or National en 1989 et vous avez été honoré maître artisan en 1991. Vos récompenses très nombreuses mettent en valeur le savoir-faire d'un vrai artisan français que les Wambrecitains et Wambrecitaines apprécient tant. Au-delà de votre activité professionnelle, vous avez toujours été très investi à Wambrechies et vous avez notamment soutenu les jeunes. Vous avez par exemple sponsorisé plusieurs clubs sportifs pour favoriser les pratiques et encourager l'épanouissement dans la ville. Comme quoi, on peut être très actif professionnellement, mais aussi encore donner du temps aux plus jeunes. Ce sont pour toutes ces raisons, cher monsieur, que je vous remets avec grand plaisir la médaille de l'Assemblée nationale. Simplement dire merci à Madame la députée pour la remise de cette médaille qui est peut-être pas celle que je méritais, mais si elle m'est remise aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Et je dois dire merci à la ville de Wambrechies qui m'a accueilli en 67, une ville dans laquelle vraiment j'ai investi tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais. Et je ne regrette rien. Ensuite, j'ai travaillé dans un métier formidable, un métier d'hier, de demain et un métier d'avenir. Alors bonne chance à tous les jeunes qui peuvent m'écouter et à tous les gens ici présents. Je vous souhaite à tous meilleurs vœux 2022. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur Christian Petitot. Vous êtes arrivé, cher Christian, en 2014 à Wambrechies comme directeur de l'Arche Lille Métropole. Vous avez insufflé beaucoup de dynamisme et de joie dans les structures qui accueillent les adultes en situation de handicap. Je peux en témoigner personnellement puisque je suis venue à plusieurs reprises vous visiter à l'Arche et j'ai pu constater par moi-même le plaisir qu'avaient les personnes que vous avez accueillies à être là, comment dire ce mot, tout ce qui passait dans leurs yeux et qui était vraiment d'une force incroyable. Pendant 7 ans, vous avez également établi avec la mairie, puisque, il faut bien le dire, on ne peut rien faire seul, et avec d'autres structures de la ville, vous avez fait des passerelles qui contribuent à l'épanouissement des personnes qui sont ainsi parfaitement intégrées dans votre collectivité. Aujourd'hui, l'Arche et ses deux structures font ainsi totalement partie de la vie de la commune. Malheureusement, il y a quelque temps, les Wambrechitains ont appris que vous alliez voguer vers d'autres cieux, vous allez faire un retour à Nantes, hein, on en a discuté tout à l'heure. Alors, ils sont désolés que vous les quittiez, bien sûr, mais c'est surtout votre investissement qu'ils vont regretter. Et puis, je ne doute pas que vous reviendrez les voir un jour ou l'autre. Vous partez donc rejoindre une nouvelle structure dans la belle ville de Nantes pour faire profiter à d'autres personnes de votre expérience et de votre caractère. De belles histoires se sont produites ici. Vous avez permis à certains d'accéder à l'autonomie. Vous en avez marié certains. Vous avez assisté à des mariages. Tous s'accordent en tout cas sur la sérénité qui émane de votre caractère. C'est exactement le mot que j'ai cherché tout à l'heure. La ville de Wambrechies voit partir une personne sensible et particulièrement compétente. Mais je suis certaine, votre successeur, que je ne connais pas encore, mais que je prendrai grand plaisir à rencontrer, vous succédera et nous lui souhaitons d'ailleurs la bienvenue. Le début d'année est toujours un moment d'espérance. Alors, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à M. Petitot, des moments de partage, de générosité, de la réussite dans vos projets, une vie faite de ce qui vous est cher, une confiance pleinement retrouvée entre ces valeurs, liberté, égalité et fraternité que nous partageons tous. Je suis également ravie de vous remettre cette médaille, M. Petitot. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Madame la députée. J'avoue que je suis surpris de recevoir cette médaille parce que j'ai avant tout beaucoup reçu durant cette année ici à Wambrechies, avec une ville qui a été particulièrement accueillante. J'ai beaucoup reçu des personnes en situation de handicap qui vivent ici à Wambrechies, qui m'enseignent sur la relation. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, avec la ville de Wambrechies, on est en mesure de mener des projets où c'est bien le lien qui nous unit, le lien qui transforme. Et je crois profondément que ce que vous avez repéré, ce que Monsieur le maire et son équipe ont repéré ici, comme la valeur clé majeure des personnes qui ont l'expérience du handicap dans une société pour faire du lien, qu'il n'y a personne qui ne soit inutile, que tout le monde a quelque chose à apporter au collectif. Je suis très honoré et je crois que cette médaille, elle honore toutes les personnes qui par leur expérience du handicap, eh bien, montrent voilà, au quotidien qu'on peut faire ensemble société et faire un monde où chacun a moyen de s'épanouir. Merci beaucoup. Merci beaucoup au nom de toutes les personnes en situation de handicap qui sont présentes sur Wambrechies. Merci Madame Liseau d'avoir remis ces 4 médailles à 4 personnes qui, par leur investissement, ont marqué aussi la ville de Wambrechies. Je vais d'ailleurs vous inviter à venir me rejoindre. On va faire une petite photo avant de vous laisser regagner votre place. Donc Madame Liseau avec les 4 récipiendaires autour d'elle. Bravo et merci. Merci pour cette reconnaissance qui va au-delà de notre commune par cette médaille de l'Assemblée nationale. Merci à vous. Nous allons continuer maintenant la soirée de cérémonie des vœux avec une dernière mise à l'honneur ce soir. Madame Carole Demester, adjointe à la jeunesse, à la petite enfance et aux affaires scolaires, va mettre à l'honneur 2 enseignants qui sont partis en retraite et qui ont œuvré pas mal de temps durant leur carrière ici à Wambrechies. Je vais passer la parole à Madame Demester. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ducroquet. Donc, Monsieur Badi devait être présent ce soir, mais il a eu un empêchement de dernière minute, mais je pense qu'il peut nous suivre sur les réseaux. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Vous avez tous deux pris votre retraite à la fin de l'année scolaire et ça s'est terminé début juillet. Et ceci après une longue carrière et en tout cas un temps assez long sur notre commune, une grande partie sur notre commune. Donc nous vous souhaitons officiellement une belle retraite et nous vous remercions pour le service rendu à tous les écoliers. Donc Monsieur Ducroquet, vous êtes arrivé à l'école Jules Ferry en 2000 jusqu'en 2021. Et vous avez enseigné, alors j'ai fait un petit calcul à la louche, à plus de 600 élèves en classe de CE1. Vous avez aussi enseigné l'anglais dans d'autres établissements primaires, mais vous avez aussi bénéficié aux jeunes Orocétins de cette formation linguistique. Vous êtes aussi très impliqué depuis de nombreuses années au sein de l'association des danses folkloriques de Clompche. L'ai-je bien prononcé ? Pas tout à fait. Alors, c'est les petits sabots en traduction. Voilà. Je suis certaine que cette implication ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Qui dit retraite, dit beaucoup de temps libre. Alors, je m'adressais à M. Badi. C'est à l'école Sévigné, M. Badi, que vous êtes arrivé en 1986 jusqu'en 2000. Vous avez ensuite pris la direction jusqu'en 2003. Et vous arrivez à l'école Ferry en 2004 jusqu'en 2021. Et donc, vous avez exercé vos fonctions en classe de CE2. Vous êtes aussi connu dans la commune pour votre activité musicale. Et j'imagine que vous aurez désormais tout le plaisir de pratiquer à temps plein. Merci, messieurs. Je vous souhaite une belle retraite. Prenez soin de vous. Et permettez-moi, au nom du conseil municipal et de monsieur le maire, de vous offrir un petit présent. Merci. Et prenez soin de vous. Merci. Voilà. Alors, je ne peux pas vous embrasser. Merci. Merci, Madame Demester. Merci, monsieur le maire. Et merci, tout le monde. Mais... Merci, Madame Demester. Merci, Monsieur Ducroquet. Merci, Monsieur Badi. Peut-être que vous nous regardez depuis chez vous. C'est maintenant un petit temps différent qui s'annonce. Alors, vous êtes chez vous, peut-être en fin de repas. Je vous invite à terminer votre bouchée. Rangez les assiettes peut-être plus tard. Vous allez pouvoir assister maintenant à un petit intermède musical avec deux professeurs de l'école de musique, Marion Gruson au piano et Gaëtan Quille au chant, qui vont faire une interprétation de Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. In all the good time I find myself longing for change, and in the bad time I fear myself. Tell me something, boy, and you're tired, try to fill that void, or do you need more? And it's hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good time I find myself longing for change, and in the bad time I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. crash for the surface where they cannot us. We fall from the shallow now, in the shallow, in the shallow, in the shallow, we fall from the shallow now. Oh, 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 I'm of the deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground. Crash for the surface where they can hurt us. We fall on the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we fall from the shallow now. Merci Marion, merci Gaëtan. Et de chez vous, je pense que même depuis votre canapé, vous pouvez les applaudir. On va peut-être vous entendre, allez-y, c'est à vous, là, chez vous. Chez vous. Ah, oh, de loin, on entend. Merci beaucoup. C'est le moment pour moi de retrouver monsieur le maire. Monsieur le maire, vous l'avez dit... c'est une année particulière. Quel est votre état d'esprit en ce début d'année 2022 ? Écoutez Mathieu, je garde un regard tourné vers l'avenir et comme disait tout à l'heure Madame la députée Liseau, j'ai foi en l'avenir et je pense que rapidement, si chacun et chacune a conscience que la vaccination peut faire disparaître cette épidémie, alors je pense qu'on pourra s'en sortir rapidement. Donc j'ai foi en l'avenir. Et puis j'ai foi en l'avenir parce que je ne cesse de le répéter, et je le pense vraiment, c'est vraiment important. Je suis vraiment entouré d'une équipe aux compétences variées, aux visions multiples, qui nous permet d'avancer à un bon rythme. J'ai un de mes collègues amis qui disait qui faisait un petit bilan de sa première année de mandat. Et moi aussi, je peux faire un petit bilan. On a fait le tour de ce que... nous avions déjà réalisé, nous avons réalisé plus d'un tiers de nos engagements et nous avons déjà engagé le deuxième tiers. Donc j'ai bon espoir qu'à la fin du mandat, nous aurons réalisé, alors, si ce n'est la totalité, c'est jamais possible de réaliser la totalité, mais une grosse partie de nos engagements. Et je vous demande, Wambrechitaines et Wambrechitains, de comprendre que les choses ne sont pas toujours aisées à mettre en place. Et je vous demande beaucoup de patience. Et vous allez voir au fur et à mesure de ce que je dirais que la patience, des fois, enfin souvent, est de mise. Donc voilà, ça c'est mon état d'esprit pour l'avenir, Mathieu. Alors ce soir, pour les personnes qui nous regardent depuis chez elles, il y a plusieurs thématiques qui sont importantes dans votre action municipale. Alors on va commencer par l'une d'elles, la sécurité. Oui, la sécurité. Donc c'était une grosse part importante de nos engagements et donc je voudrais bien évidemment commencer par saluer mon adjoint à la sécurité, Laurent Viterbeck, qui travaille à mes côtés chaque jour pour assurer la sécurité des citoyens. Et la première action que nous avons menée, sur laquelle nous étions engagés, c'est cette action des citoyens référents. Donc nous avons lancé la campagne de citoyens référents en milieu d'année dernière. Cette campagne a fonctionné. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de citoyens référents. Et si vous voulez devenir citoyen référent vous-même, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours vous inscrire. Donc là, aujourd'hui, on a un maillage de la commune qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes une ville citoyen référent. Donc bientôt, prochainement, nous aurons des panneaux aux entrées de ville donc, qui pointent ce fait du doigt. Ensuite, nous nous étions engagés sur le déploiement du réseau de vidéoprotection. Donc là, j'ai, comme tout à l'heure avec l'application, j'ai la joie d'annoncer que nous avons, alors vous allez dire c'est pas beaucoup, mais nous avions engagé 60 000 € de budget sur le mandat 2021. Donc nous avons aujourd'hui une caméra supplémentaire donc, qui se trouve à la descente du Vergalan du côté de la route de la rue d'Ypres, donc sur le rond-point de la rue d'Ypres, donc c'est une caméra. Et ce qui est intéressant avec ces caméras, c'est qu'on n'a pas une caméra, mais on a 3 vues. Donc ça veut dire qu'on a une fonction finalement qui est triplée par cela. Et la semaine prochaine, nous aurons une deuxième caméra du même type qui sera posée sur l'autre rond-point, donc là plutôt sur la rue de Quesnoy, donc à la descente du pont du Vergalan. Ensuite, j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de remarques disant que... on roule vite à Wambrechies, notamment sur certaines routes à proximité des écoles. Donc j'ai demandé à la police municipale d'accentuer les contrôles de vitesse sur les axes accidentogènes, et notamment, comme je disais, à proximité de nos écoles pour assurer la sécurité de nos enfants. Ensuite, nous nous étions engagés sur des brigades nocturnes, donc ça avance. Nous avons signé... et acté en conseil municipal une convention avec nos villes amies et partenaires donc de Marquette, Saint-André-la-Madeleine. Donc là, cette convention est signée. Nous attendions que notre police municipale soit armée. C'est chose faite. Donc aujourd'hui, nous avons notre chef de poste, Madame Garin, qui est armée, puisqu'elle avait déjà, avant d'arriver ici à Wambrechies, si je peux dire, tous les bagages nécessaires pour le port d'armes. Et puis nous avons nos autres... les agents qui, eux aussi, sont en train de passer les formations pour pouvoir être armés très prochainement. Le centre de supervision urbain, c'est aussi un engagement que nous avions fait, sur lequel nous avançons bien avec nos communes voisines et amies, Marquette, Saint-André et la Madeleine. Donc là, aujourd'hui, nous en sommes à la mise en place d'une assistante maîtrise d'œuvre, donc pour étudier la faisabilité et surtout de trouver un lieu pour accueillir ce centre de supervision urbain. Et puis en termes de sécurité à la personne, nous avons aussi, vous l'avez vu, posé aux abords de nos passages piétons, alors pas tous, bien évidemment, mais les passages piétons au niveau des écoles, nous avons posé des figurines, alors style un peu, je ne vais pas faire de publicité, mais pour des bonbons, là, Zoé, Zach, et puis d'autres un petit peu plus humanoïdes, si on peut dire, des petits, mais qui permettent de donner une visibilité et une sécurité aux abords de nos écoles. Et puis, pour conclure ce point sur la sécurité, j'ai demandé à la police municipale, et pareil, c'était un engagement de campagne, d'intervenir avec nos ASVP dans nos écoles pour l'apprendre à rouler à vélo et puis l'apprentissage du code de la route. Et bien évidemment, je ne vais pas conclure sans remercier ma police municipale et mon service ASVP qui font chaque jour un travail qui permet justement à tous et à toutes de maintenir la ville en sécurité. Alors effectivement, il y a des personnes souvent qui disent « mais oui, mais on a des cambriolages, on s'est fait abîmer notre voiture ». Sachez que toutes les problématiques sont prises en compte au jour le jour par nos polices municipales, nos ASVP, en partenariat avec la police nationale. On travaille beaucoup en partenariat ensemble. Alors vous parliez juste avant d'apprentissage pour apprendre à rouler à vélo. Une petite transition naturelle maintenant, puisque le deuxième thème qui vous tient à cœur et que vous souhaitez aborder ce soir, c'est l'environnement. Oui, l'environnement, donc pareil, c'était aussi un engagement de campagne, pardon. Et j'avais dit dans notre programme que nous travaillerions avec nos écoles, et c'est ce que nous faisons. Donc on a un nouveau prestataire de service pour la cantine qui s'appelle Mille et un repas, et avec eux on travaille aussi en partenariat, on crée du lien avec ce partenaire pour créer une démarche zéro gaspille dans nos cantines. Alors qu'est-ce que c'est que cette démarche zéro gaspille? Je vais l'expliquer en quelques mots pour ne pas être trop long, mais l'enfant va déjà devenir autonome puisqu'il va rentrer dans le self ou dans la cantine, il va prendre son dessert, son assiette, ses couverts, il va aller s'asseoir. Une fois qu'il a son assiette, il va prendre son assiette, aller se servir à l'entrée, petite faim, grosse faim, il choisira. Il sera servi en conséquence soit de sa petite faim ou de sa grosse faim. Il reviendra une fois servi à sa table, et puis il mangera. Et une fois que son assiette sera terminée, il pourra aller se servir en protéines et en légumes. Pareil, sous le même principe, petite faim, grande faim. Et une fois qu'il aura terminé de manger, il mangera son dessert. Et puis il passera au niveau de la vaisselle, où ce qui reste dans son assiette sera pesé. Et il y aura des challenges interclasse, interécole, pour dire, ben voilà, nous avons été la classe ou l'école qui a le moins gaspillé. Donc voilà, des petits challenges pour apprendre aux enfants à ne pas gaspiller la nourriture. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ben, ce qui est intéressant avec ça, c'est que finalement, les enfants rentrent à la maison. Et puis, eh ben, alors, je ne vais pas dire à éduquer les parents, c'est pas ça, mais je sais que les parents sont très sensibles à ce que peuvent dire leurs enfants. Donc voilà, on essaye un petit peu de travailler cette démarche zéro gaspille, qui finalement est une démarche zéro déchet au niveau de la maison. Et zéro déchet, on l'a mis en place aussi au travers d'autres choses. Les composteurs. Donc je tiens à saluer ici Monsieur Six, qui a travaillé beaucoup sur cette thématique. Monsieur Six, c'est mon conseiller délégué à l'éco-responsabilité. Il fait beaucoup, donc je tiens à le remercier et à le saluer ici. Et donc, je vous parle de composteurs collectifs. Donc, on est en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille. Et la Métropole Européenne de Lille a demandé aux villes si souhaitaient accepter des composteurs collectifs. Et nous avons, nous, accepté d'en mettre dans notre cimetière. Donc, trois bacs. Un bac à plastique, un bac à terre et un bac vert. Voilà. Et donc les vers, bon, ben, pourront servir justement pour les plantes qui sont mortes sur les tombes, sur nos tontes, et puis pourront servir également pour récupérer les épluchures de légumes, de fruits. Donc 40 Wambrechitains pourront bénéficier de ces composteurs. Et puis notre école, Pasteur Ségur, qui se trouve juste à proximité, pourra également profiter de ces composteurs collectifs. Et à côté des composteurs collectifs, nous avons aussi des composteurs individuels. Donc pareil, M. Six, en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, a réussi à avoir donc, ces composteurs. Donc nous avons la chance d'avoir 100 composteurs qui seront distribués la semaine prochaine aux personnes qui s'étaient inscrites pour les avoir. Donc des composteurs de 400 litres qui seront donnés à des Wambrechitaines et des Wambrechitains pour qu'ils puissent faire du compost et alimenter leur jardin ou leurs plantes. En termes d'environnement, tout à l'heure, on parlait de l'apprendre à rouler à vélo. Bien évidemment, la politique cyclable sera au cœur de 2022, puisque en complément du développement du réseau cyclable que nous avons initié avec l'AMEL, nous allons faire voter au prochain conseil municipal des subventions pour l'achat des vélos. Donc ça, c'est aussi un gage de politique environnementale. On continue aussi avec la végétalisation des façades que M. Six a également portée. Donc ça, c'est un projet que nous avions présenté en 2021, donc aussi en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille. Donc là, vous pouvez toujours vous inscrire pour avoir une plante grimpante sur votre façade, hein, plusieurs vertus. Donc vous pouvez lire toutes ces vertus au niveau donc, du dossier que vous pouvez télécharger sur le site de la ville de Wambrechies. Ensuite, nous participerons avec notre ville partenaire de Marquette au Repair Café pour donner une deuxième vie à des objets que vous croyez morts mais qui ne le sont pas. Donc là, c'est porté par Stéphanie, je crois, de mémoire, Stéphanie Delot, donc qui va aller, et Bruno Six, non, c'est Bruno Six qui porte également ce projet. Donc, avec la ville de Marquette. Donc, vous pourrez participer donc à la réparation de vos petits et gros électroménagers. Et ensuite, là, je ne vais pas trop développer puisque nous aurons le plaisir d'avoir Monsieur Lecourt tout à l'heure qui sera en intervention. Donc, sur justement le point dont je veux parler à présent, donc le passage en lettres de toute la ville. Hein, donc, aujourd'hui... on n'a pas beaucoup de rues qui sont équipées en LED. Les rues qui viennent d'être faites le sont, mais les autres ne le sont pas. Donc, l'objectif, bien évidemment, diminuer l'impact sur notre budget, hein, en consommation d'énergie. Et puis également à répondre à une problématique que nous avions soulevée dans notre programme. Alors si vous pouvez le relire, hein, nous avions parlé de plusieurs trames, trame bleue, trame noire, trame marron. Et ici, nous intervenons directement donc, dans cette trame noire pour préserver la faune nocturne. Donc on va travailler sur des consommations en énergie qui vont permettre justement de nuire à cette faune nocturne. Et puis, on revient aux écoles. Nous avons également passé en LED deux de nos écoles complètement, hein, l'école Louis-Leroy et l'école Pasteur-Ségur. Alors, vous parlez d'école, on vient parler d'un petit peu de travaux, mais il y a un petit focus particulier, un petit clin d'œil au niveau des écoles que vous souhaitiez faire ce soir. Pouvez-vous nous en dire un petit peu? Tout à fait. Déjà, avant de faire ce petit focus, j'aimerais saluer l'engagement de nos directeurs et de nos enseignants qui, chaque jour, doivent s'adapter à des protocoles qui varient. Le lundi, c'est un protocole. Le mardi, c'en est un autre. Le mercredi, on a encore changé. Donc, eux sont adaptables, malléables, mais sont fatigués. Ils sont fatigués. Et j'aimerais saluer leur engagement. Voilà, c'est la première chose qui est vraiment importante. Merci, mesdames et messieurs, dans nos écoles, pour le travail que vous faites au quotidien pour nos enfants. Et sur qui je souhaite faire un focus, c'est sur une personne qui est toujours dans l'ombre, qui s'appelle Mathieu Acquière, qui est à la ville de Wambrechies médiateur du livre. Mais aujourd'hui, il a fait, Mathieu, dans une école, Jules Ferry. Il avait déjà rénové par le passé les murs en y faisant des peintures. Et aujourd'hui, il est en cours de finition du second bâtiment où il a fait une frise historique qui s'étale de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en passant par la Renaissance et toutes les époques qui vont avec, hein, le Moyen-Âge. Et c'est vraiment chouette. Et quand on sera sorti de cette crise, bon, déjà on peut le voir en photo, mais on ne se rend pas bien compte de la qualité du travail que Mathieu a su fournir dans les écoles. Et quand on sera sorti de cette crise, je pense qu'on fera éventuellement peut-être une journée porte ouverte ou une visite, parce que je pense que ça mérite vraiment, vraiment le détour, le travail de Mathieu. Et Mathieu toujours, donc, il a aussi participé, et il participe actuellement à la réfection de nouveaux panneaux à l'école Louis-Leroy, où il met en scène des reproductions artistiques. Et en ce moment, il travaille sur l'œuvre d'une artiste qui s'appelle Monica Furlo, et il est en train de travailler sur cette œuvre qui s'appelle Les arbres de Monica. Donc pareil, à Louis-le-Roi, donc on pourra visiter ces œuvres artistiques, parce que on peut dire ça. Et puis Mathieu, qui est, je vous disais tout à l'heure, le médiateur du livre, qui fait découvrir la lecture à beaucoup de nos enfants wambrecitains dans toutes nos écoles. Donc ça, c'est vraiment important, et je voulais lui rendre un petit hommage parce qu'on le met jamais en avant. Voilà, je voudrais juste lui dire merci, Mathieu. Et c'est vrai que Wambrechies, c'est quand même plus de 1000 enfants qui sont scolarisés dans toutes nos écoles, donc c'est pas rien. 1000 enfants, justement, pour aborder le thème suivant que vous souhaitez évoquer, qui est la cohésion sociale. Oui, c'est important. Bon, Wambrechies, ce lien qui nous unit, on ne peut pas faire sans parler de cohésion sociale, et on essaye chaque jour de créer du lien social. Tout à l'heure, on a eu Monsieur Petitot qui est intervenu, effectivement. Voilà, le lien social, on ne les a pas encore cités, mais tous nos présidents de clubs, nos présidents d'associations qui créent du lien social. Dès qu'on peut, on essaye de soutenir l'activité pour que cette cohésion sociale vraiment reste au cœur de ce qu'on fait chaque jour. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas justement à ce point-là. C'est vraiment très important. Est-ce que la décision répond à tous? Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et pour mettre en place cette cohésion sociale, il y a un point pareil sur lequel on s'était engagé dans notre programme, qui va se mettre en place là courant janvier. Donc c'est le comité des jeunes. Donc on a lancé les inscriptions au travers du lien, la dernière gazette qui est passée dans vos boîtes aux lettres pas plus tard que le 21 décembre. Donc, il a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Donc, vous avez dans le lien les informations nécessaires pour vous, les jeunes d'entre 12 et et 17 ans pour vous inscrire à ce comité des jeunes. Et je tiens à remercier Madame Demester, qu'on a vu tout à l'heure, et Madame Delot, là, pour le coup, qui sont très impliquées dans ce comité, et pour que ce comité, demain, puisse voir le jour. Ensuite, on a eu le bonheur de voir 130 enfants s'éclater, on peut dire ça, s'éclater, pendant les accueils de loisirs au niveau des vacances de Noël. C'était la première fois à Wambrechies que des accueils de loisirs étaient organisés pendant les vacances de Noël, 130. Donc c'était vraiment une attente. Donc on a répondu à un besoin et ça, c'est très bien. Et puis, dans le lien, j'en parlais il y a quelques secondes, on a eu aussi un autre document, donc une enquête d'analyse de besoins sociaux. Donc ça, c'est très important pour que nous puissions vraiment faire coller au mieux le programme politique aux attentes des Wambrechitaines et des Wambrechitains. Il faut vraiment que vous répondiez à ce programme. Vous avez plusieurs possibilités pour y répondre. Vous pouvez répondre par mail, puisqu'il y a un QR code qu'il suffit de flasher, ou même il y a le numéro, enfin il y a le lien pour aller directement sur l'enquête numérique. On peut le renvoyer par courrier ou on peut venir directement le déposer en mairie. Et vous avez jusqu'au 21 janvier pour le faire, mesdames et messieurs. Ensuite, nous avons, alors c'est un peu en marge, c'est un budget qui n'est pas municipal, mais c'est un budget quand même pour lequel la ville donne une subvention. Donc je tiens à ce que nous développions l'action sociale au travers de notre CCAS, Conseil communal d'action sociale, et il faut absolument que ce CCAS vive, et il mérite de vivre parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin à Wambrechies. Tout le monde pense que Wambrechies, voilà, c'est une ville riche, mais il y a aussi des personnes qui sont dans le besoin et on va intervenir au plus près de ces personnes au travers de l'élargissement de notre politique sociale au travers du CCAS. Et puis, pareil, je ne peux pas conclure ce temps de cohésion sociale sans adresser un merci spécial. Un merci spécial à qui? À nos soignants, nos infirmières. Voilà, je leur rends un hommage ce soir parce que elles ont encore eu... donc, elles avaient conduit pendant la première, deuxième vague au stade des actions pour détecter le Covid. Et aujourd'hui, elles sont encore allées plus loin. Elles ont... Je dis « elles », mais « ils », parce qu'il y a aussi un homme. Ils ont mutualisé les doses qu'ils peuvent avoir. Et puis, grâce à eux, grâce à elles, ça nous a permis la possibilité d'ouvrir un vaccin Covid. Alors, j'aimerais qu'il soit beaucoup plus important, mais là, aujourd'hui, elles disposent et ils disposent du nombre de doses qu'ils ont chacun. Donc, mais ça nous permet quand même de vacciner entre 75 et 80 personnes chaque mardi, entre 13h30 et 15h30, en mairie à la salle des réceptions. Donc merci, mesdames et messieurs, les infirmiers et infirmières. Oui, tout à fait, merci. On va aborder maintenant un point un peu différent, celui des travaux. Pas mal de travaux de voirie sont nécessaires à la modernisation des réseaux. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu. Oui, Mathieu, alors vous dites le mot juste, modernisation des réseaux. Effectivement, nous avons certains réseaux en eau, en gaz, qui sont vieux, près de 50 ans, hein, des réseaux qui ont été installés dans les années 70. On a aussi des voiries qui sont vieillissantes. On a beaucoup de transports qui passent sur ces voiries, qui font bouger aussi les réseaux, d'où la nécessité donc de rénover ces réseaux. Enfin, ce n'est pas une rénovation, c'est un changement radical. Et effectivement, en 2021, on a eu une année qui a généré quand même pas mal de gênes, que ce soit pour les riverains, mais également pour nos commerçants. J'en suis désolé. Alors, je scrute du regard Monsieur Rigaud qui me ziote et qui acquiesce. Et oui, je suis désolé. Effectivement, mais c'était nécessaire pour que nous puissions avoir une eau de qualité, parce que malgré tout, les réseaux qui sont anciens peuvent aussi faire que l'eau n'ait pas une qualité satisfaisante. Donc voilà. Donc, mais je m'étais engagé pour nos commerçants à ce que les travaux se terminent mi-novembre, et ça s'est terminé mi-novembre, ce qui a permis à nos commerçants, notamment nos commerçants de centre-ville, d'avoir pu avoir une activité, une bonne activité pendant les vacances de Noël. Et bien évidemment, 2022, on y est maintenant. Est-ce qu'il y aura des travaux à Wambrechies en 2022? Je ne vais pas vous dire non. Oui, il y aura des travaux. Et je l'avais déjà annoncé par le passé lorsque nous avions déambulé dans les rues avec Madame Atarsa pour faire une petite interview. Et il y aura des travaux cette année à l'Agrippa. On va changer quelques kilomètres de canalisation en gaz. Donc, je vous parlais tout à l'heure de patience. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'est le maître mot, hein. Soyez patients, de manière à ce que vous puissiez avoir des canalisations de qualité. Alors, travaux toujours, on va continuer. Un gros chantier va commencer en 2022, qui va quand même représenter des choses importantes. Ce sont les travaux de la mairie. Oui, alors les travaux de la mairie. Donc, tout le monde... c'est que une planification avait été engagée par le passé. Donc, cette planification était nécessaire de toute façon. Bon, je n'étais pas d'accord avec les prix. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que ces travaux soient revus. Mais même si on n'est pas d'accord avec ces travaux, je peux vous garantir qu'ils sont vraiment nécessaires. Nécessaires, pourquoi? Parce que d'abord... les conditions de travail pour les agents, vos conditions de travail, Mathieu, je ne les trouve vraiment pas bonnes du tout. C'est-à-dire que vous êtes dans des bureaux où il fait très froid l'hiver, où il fait très chaud l'été. Ils ne sont pas du tout isolés, vos bureaux. Il y a dans certains bureaux des fuites. Donc, j'estime que vous méritez des locaux de qualité. C'est pour ça que, dans un premier temps, je souhaite... ces travaux. Ensuite, nous parlions tout à l'heure d'environnement. Cette mairie, aujourd'hui, elle est très, très énergivore. Et ces travaux sont nécessaires justement pour baisser cette fracture énergétique, encore une fois, et puis nous faire, le nerf de la guerre, nous faire gagner de l'argent au niveau du budget en termes d'énergie. Et puis, troisième point, il y a encore beaucoup de personnes qui viennent à l'ancienne mairie, comme s'ils venaient à la mairie, et puis ils s'aperçoivent que finalement la mairie se trouve derrière. Donc aujourd'hui, on a un bâtiment qui manque de visibilité. Donc c'est important de redonner une visibilité à notre maison communale. Donc tout à l'heure, je vous parlais de budget. L'important, c'est de baisser les coûts. Donc on a cherché une entreprise qui nous permet aujourd'hui de trouver des subventions donc pour diminuer au maximum le coût de rénovation de nos travaux, et ce qui nous permet de rentrer actuellement en phase 4 du projet. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le précédent lien, il y a 6 mois, nous annoncions plusieurs phases, et aujourd'hui, donc, nous sommes en phase 4, donc la phase 4, donc dossier de consultation des entreprises, qui nous permet de dire que les travaux de mairie pourront commencer. Je ne vais pas rêver, je suis quasiment sûr de ce que j'avance. Les travaux de mairie pourront commencer début septembre. Mais pour ce faire, bien évidemment, on ne va pas faire des travaux pendant que nous sommes dedans. Donc, nous allons déménager tous nos bureaux de la mairie. Donc, la première solution qui s'était posée à nous, c'était de mettre une mairie dans des algécos. Encore une fois, je pense à vous. Je trouve que les conditions de travail dans des algécos ne sont pas les bonnes. Je pense que venir chercher un service public dans des algécos, ce n'est pas la bonne solution. C'est pour ça que nous déménagerons notre mairie au Château Rouge dès la fin juin. Et bien évidemment, nous avons pensé aux activités qui sont dans le Château Rouge, et on en dira un petit peu plus quand toutes les décisions seront prises quant au transfert des activités. Très bien, merci. Merci, monsieur le maire. Alors, un dernier point là, dans cette intervention. On va revenir sur 2021. Vous voulez quand même faire un petit clin d'œil sur certaines belles rencontres que vous avez pu faire. Oui, j'ai fait vraiment de très belles rencontres. Et grâce à vous, Mathieu, grâce à vous. Et je veux vous remercier, Mathieu, et je veux remercier Manon, je veux remercier Théo. Je veux remercier également toute l'équipe de la logistique qui est représentée ici par monsieur Villerval. Et, vous êtes toujours présent, toujours sur le terrain. Et je pense que les gens le voient. Et puis, ça n'a pas été facile. Je ne vous ai pas ménagé, Mathieu, mais ni Manon d'ailleurs, ni Franck, mais bravo pour ce que vous avez fait, vous avez tenu le coup, et tout ce que vous... Enfin, c'était vraiment de qualité ce que vous avez fait. On a vraiment eu un riche programme culturel. Et dans ce riche programme culturel, eh ben oui, effectivement, il y a eu des belles rencontres. Il y a eu la première... Alors, c'est pas vraiment la culture, mais pour autant, c'est vraiment... On parlait de cohésion sociale, on parlait de liens tout à l'heure, on parlait avec Madame Drumez de sport pour des enfants malades. Là, c'est une dame qui s'est engagée au service, non pas d'enfants malades, mais au service de personnes plus âgées qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc, je parle de Madame Derue, Christine Derue, qui a fait le Tour de France à vélo, donc qui est partie... un mois et demi, 2 mois, à vélo, qui a parcouru 3500 km pour sensibiliser les personnes à la maladie d'Alzheimer. Et donc la ville, on a eu la fierté donc, de participer à sa cause, à Madame Derue, en allouant une modeste somme de 300 €, mais une modeste somme quand même. Et Madame Derue, donc, qui a récolté 3570 € pour les 3500 km qu'elle avait fait. Son objectif est atteint. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle va remettre un coup de pédale, si je puis dire ainsi, ou elle va se remettre en selle au printemps 2023, puisqu'elle va refaire un deuxième parcours différent du premier. Donc, ça a été une belle rencontre. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas faire l'abstraction de parler de culture, pour le coup. Alors, nous avons à Wambrechies... Nous avons la chance d'avoir à Wambrechies des artistes. Alors, tout à l'heure, on en a vu un professionnel, hein, on peut dire, Monsieur Quille. Mais nous avons plein d'artistes, des sculpteurs, des peintres. On a tout. On a des commerces de qualité. Tout est qualitatif à Wambrechies. Mais nos artistes, ils sont nombreux. On ne les met pas assez à l'honneur. Là, on en a mis un à l'honneur. Donc, je vais en parler d'ici quelques secondes. Mais sachez que tous les... 3 mois, tous les trimestres, on a un artiste qui vient exposer à la mairie et vous pouvez venir voir ses œuvres. En ce moment, c'est Monsieur Van Houten qui vient exposer donc, dans les marches de la mairie. Et on a vraiment de la chance à Wambrechies. Et là, la chance d'avoir un artiste, peintre, graffeur, qui a vraiment un style caractéristique. Je veux parler, bien évidemment, vous l'avez tous reconnu, d'Amaury Dubois, qui nous a donné son talent pour orner le mur de la capitainerie. Alors maintenant, cette capitainerie qui était bien vide est remplie. Alors je sais pas, oui, on la voit à l'écran, cette capitainerie maintenant. Je pense que demain, si on enlevait l'œuvre, elle serait nue et tout le monde s'en rendrait compte. Donc maintenant, cette œuvre d'Amaury Dubois fait complètement partie du patrimoine wambrechitain. Et puis, bien évidemment, troisième belle rencontre, Christophe Delmans. Alors, ce nom va rien vous dire, Christophe Delmans. Christophe Delmans, c'est mon collègue de Kempen, le maire de Kempen, que j'ai rencontré à l'occasion de la relance de jumelage avec la ville de Kempen. Nous avons recréé du lien, ce lien qui était un peu en sommeil, qui vivotait. Donc, de moment, il est venu, Christophe, à Wambrechies en septembre 2021. Et puis, nous avons eu l'occasion avec Madame Galland, que je tiens à saluer ce soir, et puis Théo et Manon, qui nous avaient accompagnés. Il y avait Mathilde. Enfin, je ne veux pas tous les citer parce que je risque d'en oublier, mais on est surtout parti avec 26 enfants à Kempen pour la Saint-Martin. La Saint-Martin, c'est quoi? C'est un gros moment, c'est une grosse fête à Kempen, un peu, je pense à Madame Deteuf, un peu comme les fêtes de Robert Sarre à Wambrechies. Voilà, c'est un gros moment où on a 4000 enfants qui ont défilé dans les rues de Kempen. Donc, c'est un peu le principe de nos allumoirs. Et chaque école a un panneau, et les enfants défilent derrière leur panneau avec un lumignon. Et tous les lumignons sont les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait à Wambrechies par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et dès que nous pourrons revivre normalement, et je disais tout à l'heure en introduction, j'avais foi en l'avenir, dès que nous pourrons sortir de cette crise Covid, alors nous pourrons relancer nos allumoirs à l'instar de ce que j'ai vécu à Saint-Martin. Donc voilà, donc là pour le coup nous allons continuer, poursuivre nos liens avec la ville de Kempen et nous allons célébrer le 50e anniversaire de jumelage de la ville. D'abord en Allemagne, nous allons y aller le 2 juillet, donc nous verrons comment nous nous organiserons. Nous partirons peut-être avec des associations, nous partirons avec peut-être la musique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce jumelage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout à l'heure, M. Provost aura l'occasion de mettre à l'honneur des sportifs. Et ce jumelage continue à vivre à Wambrechies au travers d'une association sportive, la pétanque. Voilà, donc peut-être que le club de pétanque sera intéressé pour venir avec nous. Et puis, pour fêter les 50 ans à Wambrechies, nous accueillerons nos amis de Kempen à l'occasion des journées du patrimoine en septembre. Eh bien, très bien. Merci, Monsieur le maire, pour toutes ces précisions, explications aux Wambreciens sur l'action municipale. On vous retrouve tout à l'heure en fin de cérémonie pour clôturer cette soirée. Justement, en transition avec ce que vient de dire Monsieur le maire, on va pouvoir regarder un petit extrait vidéo préparé par notamment, je le citais, Théo Lotvoet, un double casquette culture-communication, qui a fait un petit film lors du déplacement à Kempen pour le défilé de la Saint-Martin. C'était le 10 novembre dernier. Ça va ? Ça ? Non, à moins que ce midi vous réserve des surprises. Ah, c'est parti ! Et donc voilà cette petite présentation de Kempen. Kempen, c'est un peu plus de 3 heures de route de Wambrechies. Et c'est vrai que cette année, une bonne vingtaine d'enfants ont pu en profiter. On va retrouver tout de suite Michel Sasse, premier adjoint, qui va faire une petite interview de Simon Gary. Bonsoir Simon. Bonsoir. Vous n'avez pas 20 ans, Et dans un bon mois, vous partirez avec un autre Simon, natif de Brest, mais qui fréquente la même école que vous, hein, l'IMT de l'île d'Oué. Vous partirez donc pour une belle et grande aventure, la 25e édition du 4L Trophy. Qui en a eu l'idée? Alors, quand on s'est rencontré avec mon camarade Simon, on a tout de suite su qu'on voulait partir à l'aventure tous les deux. Moi, passionné de communication et de social, et lui, passionné de mécanique. Donc, on a tous les deux voulu partir dans une aventure liée avec la mécanique et l'association. Ok. Et pourquoi le 4L Trophy? Pourquoi le Maroc? Vous avez déjà visité ce pays, été en contact avec ses habitants? Alors non, du coup, justement, ni l'un ni l'autre, on a pu visiter ce pays dans notre vie. Et pourquoi le 4L Trophy? Parce que, justement, on a vu cette opportunité-là de pouvoir faire une aventure à deux, qui réunissait à la fois la mécanique, donc par rapport à la 4L, et aussi cette aventure qui rassemble 1500 jeunes en France, et qui permet de se dépasser et d'aller vers l'humanitaire à deux. Très bien, très bien. Pour financer cette expédition, parce que bien sûr, il faut de l'argent, vous avez créé une association, hein, le 10 Milites. Le budget s'élève, me semble-t-il, à un peu plus de 10 000 euros. Où en êtes-vous? Et votre véhicule est-il prêt? Alors, on a récolté assez d'argent, donc on est à peu près à plus de la moitié du budget. Et donc je remercie d'ailleurs la ville de Wambrechies qui participe à ce projet pour nous aider à partir au Maroc. Donc la voiture, elle est quasiment finie. Mon coéquipier Simon, du coup, a pu la réparer de A à Z. On l'avait achetée en mauvais état. Et donc maintenant, elle est prête à partir. Il ne manque plus que l'équipement et on pourra y aller. Ok, cette voiture, bon, c'est aussi surtout une corde à voiture humanitaire envers les populations défavorisées du Maroc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous amenez, ce que vous comptez faire? Alors l'événement, du coup, il est en partenariat avec la Croix-Rouge marocaine et une association qui s'appelle Enfants du désert. Et donc le but, c'est de rapporter des denrées alimentaires et du matériel scolaire pour les populations défavorisées dans le désert du Maroc. Et donc on va apporter 10 kilos de nourriture et des cartables remplis de fournitures scolaires pour les enfants du désert du Maroc aux associations locales pour leur venir en aide. Je peux vous dire qu'ils en ont besoin, parce que j'ai eu le plaisir donc de visiter le Maroc. On a visité des écoles, on sait les besoins qu'ont ces écoles, orphelinats, et ils sont vraiment bons. Ils sont contents avec peu de choses, mais ils se débrouillent, mais ils ont vraiment besoin de nous. Vous avez présenté votre projet aux enfants de CM2 de Jules Ferry, qui se sont semblés emballés par le sujet et qui vont certainement vous suivre pendant votre périple, puisque vous leur avez fourni une carte avec le trajet et compagnie. Vous les rencontrerez à nouveau à l'issue de votre parcours pour leur faire part de votre ressenti et puis compter votre aventure? Alors avec l'équipe enseignante avec laquelle je suis en contact, de Jules Ferry, on va essayer de mettre en place sur une plateforme le moyen pour nous de partager notre expérience en direct au Maroc et ensuite après, directement avec les élèves, pour qu'ils puissent un peu vivre l'aventure avec nous. Et donc ensuite, on compte bien sûr revenir les voir avec la 4L et leur raconter notre aventure pour essayer de leur donner un peu le goût de cette expérience et pourquoi pas qu'ils puissent y participer plus tard. Je vous remercie. Dans tous les cas, je compte moi sur vous pour que vous partagiez à votre retour avec les Wambrecitains vos sentiments, vos rencontres, vos souvenirs par l'intermédiaire soit de la toile, bien sûr, une mini-exposition, pourquoi pas, des photos ou plus simplement par le lien hein, dans une revue trimestrielle. Personnellement, je vous suivrai dans cette dizaine de jours que durera ce voyage, pour lequel je vous souhaite bon vent, et comme quelques 1500 autres équipages qui parcourront ce Bourg Challenge, et particulièrement à Capucine et Océane, hein, dont on a parlé dans la Voie du Nord, qui sont aussi des Wambrecitaines et qui vont faire le même challenge à bord de Ginette. Voilà, merci. Merci beaucoup. Eh bien, bravo à vous, Monsieur Gary, pour ce très beau projet. Alors, tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise, j'ai dit dernière mise à l'honneur, mais non, j'en ai oublié, puisque place aux sportifs. Je vais passer la parole à Monsieur Jean-Philippe Prouveau, adjoint en charge des sports, qui va mettre à l'honneur des membres du club de pétanque. Merci, Mathieu. Chers Wambrecitaines, chers Wambrecitains, je vous souhaite à mon tour une excellente année 2022. Mais en tant qu'adjoint d'activités physiques et sportives, je voudrais surtout souhaiter aux associations sportives la possibilité d'une pratique sereine et sans restriction de leur activité préférée. C'est vrai que cela fait 2 ans que le sport est impacté par la crise sanitaire et espérons que cette année 2022 soit l'éclaircie tant attendue. Ce soir, nous allons parler de pétanque. Tout le monde sait ce que c'est que la pétanque. Beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de faire des parties de boules pendant les vacances, souvent autour d'un apéro d'ailleurs. Mais ce soir, nous parlons de pétanque de compétition. C'est un sport, on le pratique en compétition. Nous avons la chance d'avoir à Wambrechy un excellent club de pétanque, la boule de Wambrechy, présidé par Monsieur Fagel, que je salue ce soir, qui doit être certainement devant son écran. J'en profite également pour saluer d'ailleurs tous les présidents de clubs et d'associations sportives à Wambrechy, parce que je sais qu'être président d'un club, maintenant, c'est pas facile. Le bénévolat, de toute façon, est toujours difficile. Alors, c'est un club qui, tous les ans, engage de nombreuses équipes en compétition, à tout niveau et en toute catégorie. Une équipe s'est particulièrement distinguée cette année. J'ai 3... membres de cette équipe ici autour de moi. Donc vous avez deviné que c'est une triplette. C'est comme ça qu'on dit oui. En pétanque. Alors elle s'est particulièrement distinguée cette année en ramenant un titre de champion de France, UFOLEP, en vétéran. Cette compétition se déroulait à Saint-Étienne les 15, 16 et 17 septembre 2021. C'est une très belle performance pour cette équipe, qui est composé donc de Monsieur Georges Godard, de Monsieur Jean-Luc Massé et de Monsieur Dany Dizy. Alors Georges, vous jouez la pétanque depuis 40 ans. À votre actif, 15 titres de champion départemental et 2 demi-finales en Coupe de France en interclub. Dany, vous avez déjà plusieurs fois été titré au niveau départemental. Quant à vous, Jean-Luc, vous jouez depuis l'âge de 10 ans. Ouais. Champion junior du Béarn, champion junior de Ligue d'Aquitaine et vice-champion de Ligue des Antilles. Non seulement vous jouez à la pétanque, mais on peut dire que vous voyagez beaucoup. Alors la municipalité est donc fière de vous mettre à l'honneur ce soir et nous vous souhaitons encore de nombreux titres et beaucoup de plaisir dans la pratique de la pétanque. J'ai donc l'honneur de vous remettre un petit cadeau. Merci beaucoup. Vous voulez dire un petit mot ? Merci beaucoup. Alors, comme mes collègues ne veulent pas parler, ben, ils m'ont donné le micro. Tout d'abord, on souhaite vous souhaiter nos meilleurs voeux pour cette année 2022. Merci, Monsieur le maire, pour nous avoir conviés à cette soirée. On va remercier également notre président, qui bon, malheureusement n'a pas pu être là ce soir, Monsieur Fagel, ainsi que tous ces membres du club, puisque sans eux, ben, on n'aurait pas pu se déplacer à Saint-Étienne. Et une petite pensée aussi pour nos épouses, parce qu'elles acceptent quand même qu'on passe une vingtaine de week-ends à jouer au lieu d'être en famille. Donc merci à également. Et merci à tous. Bonne soirée. Eh bien, merci. Petit clin d'œil, c'est vrai, au monde du sport aussi touché dans sa pratique avec le contexte sanitaire actuel, et vive le sport. Pour continuer cette soirée, nous allons passer sur une interview. Nous allons accueillir Madame Stéphanie Delot, conseillère déléguée aux liens intergénérationnels, qui va interviewer un revenant, puisqu'il est déjà apparu tout à l'heure en tant que médaillé, Monsieur Petitot. Bonsoir, Monsieur Petitot. Je suis heureuse de pouvoir ce soir vous remercier au nom de la commune pour le travail que vous avez effectué tout au long de ces années à Wambrechies. Madame Liseau vous a remis la médaille de l'Assemblée nationale et a adressé votre profil. Je souhaitais pour ma part revenir sur ces liens que vous avez réussi à tisser au cours de ces années. Et j'aimerais donc que vous nous parliez à votre tour de votre expérience à Wambrechies, sur ce que vous en avez retiré. Wambrechies, voilà, cette année merveilleuse. Je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup reçu. J'arrivais dans le Nord en 2014, après avoir évolué dans l'Ouest. Et c'est vrai que je peux dire, je le disais à Madame la députée tout à l'heure, deux grandes caractéristiques que j'ai senties ici, c'est un, la qualité de l'accueil, et deux, la capacité à entreprendre. On se met très vite en action, très simplement, mais au service. Et ça a été très fort. Et du coup, pour notre famille, avec nos 5 enfants, et puis aussi avec la communauté de l'Arche, ça a été, c'était un endroit assez idéal pour évoluer. Je suis très reconnaissant à la ville de Wambrechies, à la municipalité de l'accueil et puis du répondant qu'il y a eu pour vivre plein de choses. Alors c'est vrai que ça reste très modeste, peut-être, hein, c'est des petites fêtes, des occasions de rencontres, des rencontres dans la rue, des fêtes de la musique, des fêtes de l'amitié, comme il y a chaque année au sein de la communauté. C'était les services, quelque chose qui était assez croustillant et qui avait beaucoup de sens. C'était pour des élections qu'on mène en interne dans les communautés de l'Arche, comme tout établissement médico-social pour élire un conseil de la vie sociale avec des représentants de personnes en situation de handicap, eh bien, la mairie qui avait mis à disposition les isoloirs et les urnes pour qu'on puisse vraiment voter, qu'on puisse faire cet acte citoyen de voter. Et puis tout récemment, pendant la campagne municipale, eh bien, les candidats à la municipalité, et donc M. Brogniart qui était venu présenter son programme en langage plus facile à comprendre aux personnes en situation de handicap. Toutes ces intentions pour faciliter le lien, faciliter l'inclusion des personnes avec un handicap dans la ville de Wambrechies, c'est quelque chose d'extrêmement... qui a beaucoup de sens, qui personnellement m'a beaucoup touché. Et je crois que c'est pas fini, les choses sont en route. Et c'est ça qui, je crois, était l'une des choses les plus précieuses au cours de cette année, qui était là déjà avant moi, depuis 1983 que la communauté de l'Arche existe à Wambrechies, et puis qui je l'espère, perdurera encore longtemps. C'est la qualité de ces liens, et puis comment donner la place à des personnes qui ont l'expérience du handicap, et puis qui ont quelque chose à témoigner à la société. Au Canada, à l'Arche, on dit, la devise de l'Arche, c'est changer le monde un cœur à la fois. Et je trouve que c'est un beau programme sociétal. On peut le changer par des grandes politiques, et c'est important. Mais aussi, on peut le changer sur le terrain, par des rencontres, par des encouragements, par des paroles fortes qui embarquent, qui font rêver, qui disent le réel, et puis qui combinent l'ensemble pour qu'on aille plus loin. Et merci à cette ville de si bien servir la cause du handicap et du projet de l'Arche. Vous avez aussi vécu un mariage entre résidents, des retrouvailles entre une sœur et un frère, mais aussi la création de la Maison Saint-François, qui est un habitat partagé, où les résidents ne sont pas que des personnes en situation de handicap, ce qui doit être très enrichissant pour tous les habitants de ce lieu. Je conçois que ces projets ne sont pas simples à concrétiser, mais que leur réussite est une victoire et une grande joie pour chacun. C'est ça. Hein. Alors, il y a eu deux mariages, en fait. Hein. Il y avait eu un mariage tout récent là, de Myriam et Fabrice, et puis 3 ans auparavant de Dany et Michel. Ça aussi, c'est des réussites. C'est quand même des... c'est pas tout évident hein, d'imaginer deux personnes en situation de handicap qui se marient. Voilà, il y a eu des expériences singulières qui ont été fortes. Et puis vous le soulignez aussi, là, ce lien intergénérationnel, ou en tout cas ces rencontres entre des populations qui n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer. Et c'est ce beau projet-là qu'on mène ensemble et puis qui va se poursuivre, là, des cafés-rencontres, proposer des rencontres dans la ville de Wambrechies pour que des personnes en situation de handicap, des personnes qui avancent en âge, des jeunes, puissent découvrir les différentes réalités de vie, puissent s'enrichir. Habitat partagé, pourquoi pas? Il y a beaucoup à imaginer, à construire. Ça fait partie des beaux projets qu'on a pu mener ensemble. Et avec toute l'équipe qui est encore là, Guillaume Vernier qui prend ma suite, je crois que j'ai beaucoup d'espoir dans ce qui va pouvoir se faire, oui. Moi aussi. J'imagine que cette nouvelle perspective, ce départ à Nantes, va entraîner un changement dans votre vie au niveau de la famille aussi. Tout le monde est content de partir, de découvrir une nouvelle région chez vous? Ben non, tout le monde n'est pas... c'est comme dans le film, tout le monde pleure. Alors on ne pleure pas encore tout à fait parce qu'il nous reste quelques mois avant de déménager. Moi j'ai commencé à prendre mes fonctions quelques jours par semaine à Nantes. Voilà, c'est une tranche de vie là, qui s'achève, mais c'est clair qu'elle est assez exceptionnelle, ce que l'on a vécu. On part enrichi de ce qu'on a vécu ici pour maintenant aller sur Nantes, où c'est une autre communauté de l'Arche qui m'attend pour continuer la mission. Voilà, et puis ben, j'ai quand même en tête que Wambrechies, Nantes, enfin, il y a un lien qui est là aussi à faire perdurer. J'aimerais juste finir en citant un philosophe qui s'appelle Patrick Vivray, qui disait il y a quelques années, c'était en 2016 à un colloque, et c'est un peu de circonstance, enfin, ça a une tonalité particulière aujourd'hui, il encourageait vivement à lancer la contamination de la joie. Contamination de la joie. Alors on ne parlait pas Covid, on parlait d'autres choses, mais finalement on pouvait prendre ce contre-pied du Covid aujourd'hui en disant, c'est vrai qu'on peut se transmettre le virus, mais si on pouvait se transmettre la joie pour rêver un monde qui soit... La joie, ça ne veut pas dire être foufou, hein. C'est cette joie intérieure, c'est cette foi en la vie, la valeur de la vie, se transmettre les uns aux autres. Je pense qu'à Wambrechies, enfin, je suis convaincu, et c'est ce qu'on a en tout cas vécu, reçu, il y a quelque chose de vraiment particulier qui se vit là. Et voilà, c'est 2022, c'est les vœux, je fais ce vœu que ça continue encore longtemps ici. Eh bien, il me reste à vous souhaiter, Monsieur Petitot, que 2022 vous soit la plus heureuse possible. Merci. Et que vous poursuivez votre belle mission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Madame Delot, merci Monsieur Petitot pour ce bel échange ce soir, toujours dans notre cérémonie des vœux. Alors là, c'est plus l'heure du repas, c'est l'heure où je pense peut-être certains enfants sont couchés, c'est l'heure où vous êtes peut-être plus tranquille. Mettez-vous dans le canapé, il vous reste quelques secondes. C'est le deuxième et c'est le dernier intermède musical ce soir. Il revient en solo, Gaëtan Quille, pour une interprétation de Queen. Il va nous chanter Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. 'Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaning for the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, the storm is me, Mr. Fahrenheit. I tried it out the speed of light. Super silent man over you, don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, I wanna have a good time. It may be a call, don't stop me, cause I'm having a good time. Yes, I am having a good time. Don't want to stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm part of control. I'm a sick machine ready to eat on, like an atom bomb. I wanna whoa, 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 explode, burning through the sky. No one can take with this time. They call me Mr. Fahrenheit. I try to ride the speed of light. Supersonic man over you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like it. Don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh, yeah. That goes. All right. Supersonic man over you, don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, I wanna have a good time. Just give me a call, cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. Don't want to stop at all. Na 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 na. Bravo Gaëtan, merci, merci. Ça se voit pas à l'écran, mais ça s'érisse un petit peu là quand même. Ça, je sais pas si ça se voit de chez vous. Bravo Gaëtan, merci, merci beaucoup. Bon, transition pas facile du coup, parce que du coup là, on vient de passer sur un moment très 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 punchy avec Gaëtan. Oui, mais on reste dans le dynamisme, le développement économique, hein, surtout donc, avec Monsieur Rigaud. Voilà, bah, écoute, Gwendoline Spotbean, conseillère déléguée au commerce et l'artisanat, reçoit Monsieur Laurent Rigaud. Et je vous laisse place pour une petite interview. Merci. Alors, bonsoir Laurent. On vous connaît car vous êtes commerçant, artisan dans notre centre-ville à Wambrechies. Mais vous êtes également président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et également conseiller régional. Et ce soir, on voulait parler avec vous surtout de votre fonction de président des chambres des métiers et de l'artisanat sur le sujet de la formation. Dites-nous quels conseils on pourrait donner à notre jeunesse wambrecitaine qui veulent démarrer un métier par le biais de la Chambre des métiers. Oui, bonsoir à tous. Alors, vous l'avez dit, mon premier métier, d'abord, c'est artisan, artisan boucher maintenant depuis, installé depuis 32 ans, et ça fait 36 ans que je pratique. Et puis, donc je le fais avec mes filles à Wambrechies, puis depuis quelques années, je me suis investi dans l'intérêt général de développer l'artisanat et de faire en sorte que, en dehors de, que nous, on partage que c'est une voie d'excellence, eh bien, qu'on puisse la partager avec beaucoup de monde. Et effectivement, on se rend bien compte que l'artisanat, en ce moment, c'est un boulevard pour les jeunes, pour les moins jeunes. C'est des métiers, on a bien vu pendant cette période assez compliquée, tout le monde a partagé que c'était des métiers essentiels pour les citoyens, on est bien d'accord, où il y a de l'emploi, où il y a de la formation. Et donc, je suis le président de la Chambre de métiers de l'artisanat des Hauts-de-France, une grosse chambre de métiers, on a 1300 collaborateurs, 21 centres de formation. Et donc, le développement des compétences est pour nous prioritaire. Ça fait des années qu'on a investi dans ce domaine. On est le plus gros centre de formation de la région des Hauts-de-France. Et effectivement, on se rend bien compte que là, il y a dans beaucoup de métiers, dans les métiers de service, dans les métiers de l'alimentaire, dans les métiers du bâtiment, il y a un boulevard pour les jeunes. Alors comment on fait pour que les jeunes connaissent mieux ces métiers, y aillent plus? Eh bien, il faut les accompagner, il faut parler des métiers, il faut ouvrir les portes des entreprises. Régulièrement, les entreprises nombreuses hein, sur la métropole, au niveau de la région, c'est 100 000 entreprises. Au niveau de la métropole, c'est 20 000 entreprises artisanales. 20 000 entreprises artisanales. Et nous, la Chambre de métiers, on a sur la métropole 3 beaux centres de formation. Hein, au Virolois, à Tourcoing, sur les métiers de service. Toujours à Tourcoing sur l'alimentaire aussi, puis à Lille, dans notre beau bâtiment, eh bien, sur les métiers de la coiffure, de l'alimentaire et de la restauration. Donc effectivement, il y a un boulevard pour les jeunes. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez leur donner, est-ce que vous avez un souhait à formuler pour donner de l'espoir à cette jeunesse? Je ne vais pas le chanter, envie d'avoir envie, mais il faut donner, faut faire transpirer notre passion. Gilbert Helbout l'a bien dit, il a exercé depuis des années ce métier. On peut faire de notre passion un travail. Et quand on apprend ce métier, on n'a pas seulement un diplôme. On a, en dehors d'avoir des diplômes, hein, on va jusqu'au bac plus 2, on fait 6-7 ans d'apprentissage, on a surtout des compétences, on a le savoir-faire, le geste. Et ça, pour les jeunes, c'est un trésor pour plus tard. On voit bien que ceux qui savent faire, demain, auront les clés de la réussite. Peu importe le niveau, comment ils le feront, qu'ils soient apprentis, salariés ou chefs d'entreprise, s'ils savent faire, c'est la réussite de demain. Et tous ces métiers-là sont attendus demain au tournant. Et donc, on va faire tout ce qu'on peut avec les institutions que sont aussi bien la région que la Chambre de métiers, et bien tout faire en sorte pour que ça se développe dans ce sens-là. Un grand merci pour votre dévouement. Et on souhaite tout ça pour 2022. Merci beaucoup. Très belle année à tous. Au revoir. Alors maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir 2 jeunes entreprises wambrecitaines tournées vers le développement durable. Bonjour messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer ensemble, Joachim. Vous co-gérez la société Vrac Drive, donc avec Mélanie. Vous avez un objectif très précis. Rendre la consommation éco-responsable pratique, rapide et accessible. Par quel biais et comment pouvez-vous nous présenter Vrac Drive et nous dire par quel biais vous avez réussi à monter cette entreprise? Alors, tout à fait. En fait, notre objectif, c'est pour que l'ensemble de la population puisse accéder à une consommation qui va générer moins de déchets de la façon la plus simple possible. C'est vraiment de simplifier au maximum la démarche d'achat et de proposer finalement des produits. Donc on a plus de 950 produits qui sont bio et locaux dès que possible. Et tout est disponible sur notre site de vente, donc vracdrive.fr. Donc il n'y a plus qu'à simplement faire son panier, faire ses courses. Et puis une fois la commande validée, on peut venir la retirer dès 2 heures après l'achat. Et tout est conditionné en contenant qu'on va pouvoir réutiliser. Donc pour le consommateur, c'est très simple. Il rentre chez lui, il range les bocaux sur ses étagères, comme si c'était ses bocaux à lui. Et puis, au fil des commandes suivantes, il nous ramène les vides, on les nettoie, on les réutilise. Et tout ce qui vient de producteurs un peu plus spécifiques, par exemple tout ce qui est boissons, etc., on va également collecter les contenants et les renvoyer au producteur qui va les nettoyer, les réutiliser. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact simple, direct, sur l'économie locale, mais aussi sur l'environnement, donc en diminuant drastiquement le volume de nos déchets. Très belle démarche. Le créneau que vous avez choisi est bien spécifique. Est-ce qu'il était attendu par les wambrecitaines et les wambrecitains? Alors, on n'est pas venu là par hasard. On a fait une étude de marché et effectivement, toute la population de Wambrechy est habituée et souhaite finalement avoir un environnement propre, sain. On est vraiment sur une culture du savoir bien vivre, savoir respecter l'environnement dans lequel on évolue. Il n'y a qu'à se promener sur les berges de la Deule pour voir qu'effectivement, il y a vraiment un entretien qui est là, qui est fait, et on a une sensibilité qui est présente et qui fait chaud à voir, enfin qui fait chaud au cœur. Super. Alors, merci Joachim. On va passer à vous, Benoît. Alors, vous représentez ce soir la société Le Fourgon. Elle est récemment implantée à Wambrechies. Oui. Elle est tournée également sur le développement durable zéro déchet. Pouvez-vous nous expliquer votre concept et votre motivation dans ce domaine ? Oui, tout à fait. On est parti d'un constat qu'on peut tous faire, c'est que nos poubelles, et notamment nos poubelles de recyclables, se remplissent beaucoup plus vite qu'elles ne se vident. Ça génère énormément de déchets, notamment du plastique et de la pollution, puisque le plastique est très mal recyclé. Et on a souhaité apporter une solution au plus grand nombre. Donc on a créé un service qui s'appelle Le Fourgon. Donc, Le Fourgon, c'est un service zéro déchet, de livraison gratuite, de boissons consignées à domicile ou au bureau. On a voulu remettre au goût du jour et relancer la démarche de la consigne, qui est une démarche très vertueuse en faveur de l'environnement. En fait, on remet au goût du jour la tournée du brasseur ou la tournée du laitier qui existait encore il y a quelques dizaines d'années et qui, malheureusement, de ce côté-ci de la frontière, parce que ça existe toujours en Belgique, a quelque peu disparu. Alors, comment ça fonctionne? On a voulu un système relativement simple, donc ça se passe sur Internet. On a un site Internet, lefourgon.com, ou une application mobile. On a accès à notre catalogue de boissons, on a plus de 200 références, de l'eau, des jus, du lait, de la bière, des sodas, du vin, des spiritueux, même du champagne, des soupes. On a voulu avoir un catalogue qui est le plus local possible, puisque la grande majorité de nos produits sont produits à moins de 150 km de Wambrechies. Et on fait même de l'ultra-local, parce qu'on travaille notamment avec la brasserie Tandem, qui est la brasserie de Wambrechies. On les salue d'ailleurs. Absolument. Ils travaillent très très bien, je recommande leurs produits. Voilà, on choisit ensuite un créneau de livraison. En fait, notre démarche, c'est de dire on veut avoir une démarche qui est responsable, mais aussi qui est très pratique. Aujourd'hui, les boissons et les bouteilles, c'est relativement cher, c'est relativement lourd à porter et à ramener chez soi. Et donc l'idée, c'est de se dire je vais avoir un service de livraison gratuite et très flexible. Donc on propose, sur Wambrechies notamment, jusqu'à 5 créneaux de livraison quotidien, matin, midi, après-midi et soir, même le samedi. Et on a également la possibilité de commander et de se faire livrer le jour même. On veut de la flexibilité. La livraison, comment ça se passe? En fourgon électrique, déjà, des fourgons jaunes, peut-être que certains ont pu les repérer dans la rue. Et en fait, au moment de la livraison, donc, on vient livrer les différentes caisses de boissons donc consignées, et en même temps, on récupère les caisses de bouteilles vides. Ça, c'est très important, puisque nous, ensuite, elles reviennent à notre dépôt, donc, qui est tout proche d'ici, et elles sont nettoyées et réexpédiées, réenvoyées directement chez le producteur pour être réemployées et donc re-remplies. Il n'y a absolument rien qui termine à la poubelle. On est sur une démarche du coup, qui est vraiment responsable d'un point de vue environnemental, qui est zéro déchet, qui allie aussi également la partie plaisir, puisque nos clients nous le disent, c'est un vrai plaisir de retrouver les bouteilles, comme au restaurant en fait, les bouteilles d'eau ou les bouteilles de soda ou même les bouteilles de bière et de vin, et également qui est sans contrainte, du coup avec cette livraison qui est gratuite, et qui est très flexible. Et aujourd'hui, c'est donc en 8 mois d'existence, un peu plus de 8 mois d'existence, c'est plus de 30 emplois et plus de 300 000 bouteilles déjà qui ont été collectées et réemployées. Et ça, c'est un vrai impact en faveur de l'environnement. En tout cas, messieurs, je vous remercie vraiment, car grâce à vous, vous nous facilitez, quand on veut tout doucement avoir la transition au zéro déchet. Donc merci pour tout ça et longue vie à vos entreprises. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Eh bien, merci Gwendoline, merci à vous pour cette interview. Nous allons maintenant laisser place à monsieur Cédric Lecourt, adjoint en charge des travaux et de la valorisation du patrimoine. Il va interviewer monsieur Florent Combette. Merci Mathieu. Monsieur Combette, bonjour, vous êtes notre conseiller en énergie au sein de notre commune. En quelques mots, quel est votre rôle ? Eh bien, je suis conseiller en énergie partagée. C'est un dispositif métropolitain donc porté par la MEL et qui est à destination de toutes les communes de moins de 15 000 habitants. Donc les communes adhèrent volontairement à ce dispositif et l'objectif, c'est de les accompagner dans la maîtrise de leur consommation d'énergie et leurs différents travaux en lien notamment avec les énergies renouvelables et la réduction de leurs dépenses énergétiques. Voilà, donc rapidement, je réalise le suivi des consommations du patrimoine propre de la commune, sur le bâtiment, sur l'éclairage public. Et je définis avec vous un programme d'action qui va intégrer des actions avec un temps de retour sur investissement assez rapide, des actions plus lourdes, des actions à court terme, à long terme, voilà, sur l'ensemble des sujets, bâtiment, Donc 9 rénovations sur l'éclairage public et en énergie renouvelable. Merci. Effectivement, donc, quand vous parlez de l'éclairage public, nous avons choisi, nous, pendant ce mandat, de faire la réfection totale, donc, qui commence par les armoires, les 50 armoires. À ce jour, la moitié sont faites. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission sur cette réfection que l'on mène et qu'on souhaite effectivement, au bout de 5 ans, que notre ville soit 100% LED? Eh bien, je vous accompagne tout au long des phases de ce projet. Donc, en amont, c'était via le bilan énergétique, vous présentez déjà le poids que représente l'éclairage public pour votre commune, ce qui est globalement un quart des consommations d'énergie et la moitié des dépenses d'électricité. À partir de là, donc, vous avez décidé de vous attaquer à cette thématique et sur l'ensemble du périmètre. Donc, je vous ai accompagné dans la... Globalement, je suis une aide à la décision. Avec mon expertise technique et celle de votre équipe municipale, on a pu définir les secteurs prioritaires à rénover. Ensuite, vous présentez les différentes solutions techniques, puisque si la LED maintenant est clairement reconnue comme étant une technologie aboutie, il y a énormément de critères derrière, et de subtilités et de choix technologiques à arbitrer, notamment sur les bords de Deûle, par exemple, à venir pour respecter les enjeux d'usage avec un éclairage adapté, tout en respectant les enjeux de biodiversité. Voilà, donc je vous accompagne dans les travaux menés avec le prestataire et par la suite dans le suivi énergétique, justement, pour pouvoir suivre que les actions menées ont bien apporté les économies attendues. Très bien, merci. Et donc, effectivement, ce passage en LED nous permettra aussi de mettre en place des abaissements de lumière, c'est-à-dire que on va prochainement passer certains quartiers à une plage horaire à partir de 22 h, il y aura un abaissement de 60% jusqu'à 6 h, et à partir de 6 h, effectivement, cet éclairage reprendra à 100% aussi pour avoir un gain et respecter un peu cette trame. Merci beaucoup, Monsieur Combette, de votre présence. Et j'en profite de cette entrevue de vous souhaiter à tous une belle année. Merci. Merci. Eh bien, merci, Monsieur Lecourt. Merci, Monsieur Combette, pour cette intervention. Eh bien, écoutez, c'est la dernière interview qui arrive pour cette cérémonie des vœux 2022. Le conseiller délégué Bruno Six, conseiller délégué à l'éco-citoyenneté, reçoit Monsieur Spriette. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, permettez-moi de présenter à mon tour tous mes vœux pour cette année 2022. Alors, je tenais à présenter le projet du Colombier qui va avoir lieu cette année dans notre commune. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Colombier, c'est un grand espace enherbé à côté de Match et qui était assez grand et que nous avons décidé de transformer en espace naturel. Alors, dans un premier temps, il y aura une zone de plantation avec la société Biforest qui va nous aider sur le projet et les écoles de la commune qui vont planter plus de 4200 arbres. Alors, je profite de cette cérémonie aussi pour faire un appel aux volontaires pour venir nous aider aux alentours du 5 mars pour venir faire cette plantation citoyenne. Alors, si vous avez une âme de venir planter des arbres avec nous, ça serait magnifique. Alors là, c'est pour la première partie du projet. Et la deuxième partie du projet, ce sera en collaboration avec la Métropole Européenne de Lille qui va installer des petits îlots de biodiversité. Et à cette occasion, j'ai l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Quentin Spriette, qui est chargé de mission à la Métropole Européenne de Lille dans les espaces naturels de la MEL. Il va nous présenter en quelques mots ce projet de biodiversité en lien avec nos écoles. Bien, merci, monsieur. 1, 2. Merci, monsieur Six. Oui, alors, vous allez avoir la chance, à Wambrechies, dans les 2-3 ans qui viennent, d'assister à une mutation. D'un désert vert, nous allons tenter de créer une oasis. Parce qu'une fois qu'on aura installé ces milliers d'arbres tout autour du périmètre, il va rester cette grande pelouse. Or, dans une pelouse, c'est très confortable, une pelouse, mais il ne s'y passe pas grand-chose. C'est un peu le désert, on s'ennuie. Quelques brins d'herbe alignés, et puis quelques vers de terre en dessous, et une tondeuse qui passe régulièrement. À partir du moment où on décide de laisser la nature s'installer, puisqu'elle est en capacité de le faire. On va ici creuser, mettre un peu d'eau ou garder de la pluie, là créer une petite butte ensoleillée pour les abeilles, laisser les roseaux pousser autour de l'eau, planter quelques pommiers, quelques buissons d'arbres, quelques herbes folles, quelques fleurs, et vont arriver les papillons, les libellules, les oiseaux, parce qu'aujourd'hui, au-dessus de sa pelouse, quand le papillon passe, il n'y a rien à faire, hein. Et l'hirondelle qui passe, la fauvette, pour trouver un arbre, c'est difficile. Donc l'idée, c'est bien de laisser la nature s'exprimer en l'accompagnant le mieux possible. Et c'est ce qu'on est en capacité de faire parce qu'on a une certaine expérience en ingénierie sur cette question. Et c'est pour ça que la MEL vient en appui aux communes qui le souhaitent, qui ont des projets. Et comme à Wambrechies, on sent bien la volonté citoyenne et municipale d'aller au-delà de ce que la nature présente déjà et nous offre, eh bien on a les capacités, s'il y a du terrain disponible, de créer. On parlait de cohésion sociale, on parlait de contaminer par la joie. Et ben quoi de plus joyeux qu'observer ensemble un vol de papillons, un vol de libellules et le chant de la fauvette au printemps? Tout à fait, oui. En plus, en collaboration avec une école qui se situe juste à côté, c'est l'école l'école Pasteur, avec la classe de Monsieur Lesage, qui vont organiser justement ces petits îlots de nature. Alors, quelle est l'importance, en fait, de venir chercher les enfants pour nous aider à construire ce domaine? Bien, je parlais de partage, de communion autour de la nature vivante. Et quoi de mieux que de venir en famille ou avec les enfants des écoles? Et il ne s'agit pas de faire une bulle de protection, il s'agit de faire un espace partagé où la nature s'exprime et où le citoyen, l'usager, le promeneur peut en profiter. Et donc, associer les habitants, les riverains et les enfants des écoles, c'est le meilleur moyen de s'investir, de s'approprier les lieux, parce que c'est sur la durée qu'on va le voir vivre et qu'on va éprouver sa capacité, ce lieu, à produire du rafraîchissement, du bien-être social, de la qualité, de la bonne santé mentale. Hein, tout ça, c'est utile à nos équilibres. Et ça contribue à renforcer la trame verte qui existe déjà à Wambrechies, mais qui existe aussi en métropole et bien au-delà des frontières de la commune. Tout à fait, oui. Alors vous faites bien de parler de lieux de partage, parce que aussi sur ce site, nous allons créer bien plus tard un terrain de pétanque, ainsi qu'un terrain de crossfit, et aussi un aire de jeu pour nos enfants. Oui, parce que la nature sauvage et libre n'empêche pas le fait de s'y amuser et d'organiser des lieux pour ça. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Spriette, d'avoir assisté à cette interview. Merci encore. Eh bien, on souhaite une bonne année à tout le monde. Tout à fait. Merci, Monsieur Six. Merci, Monsieur Spriette, pour cette dernière interview de cette soirée. Il me reste à moi également à vous souhaiter à toutes et à tous, chez vous, mes meilleurs voeux pour cette année 2022, puisque je vais passer la parole à Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Brogniart, qui va clôturer cette soirée de cérémonie des vœux un peu particulière 2022. Merci, bonne soirée. Mathieu, vous avez dit le mot qui allait bien, merci. Merci à tous les intervenants qui sont venus ce soir nous présenter des projets Wambrecitain, mais aussi toutes ces personnes qui font vivre la ville, qui ont fait vivre la ville. Donc merci à vous d'avoir m'avoir fait l'honneur d'être à mes côtés ce soir pour ces vœux particuliers, vous l'avez dit Mathieu. Merci à tous les présidents de clubs sportifs et associatifs qui, tant bien que mal, font vivre leurs activités malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire. J'en profite d'ores et déjà pour annoncer une braderie associative qui fera le pendant du forum des associations que nous avions tenu en septembre dernier. Donc nous avions annoncé cela dans notre programme. Une année, on fera un forum et une année, on fera une braderie associative. Un grand merci à toutes mes équipes qui œuvrent chaque jour au quotidien pour vous, mesdames et messieurs les Wambrecitain et Wambrecitain. Un grand merci, bien évidemment, aux équipes qui ont permis la réalisation en direct. Je vous disais tout à l'heure que c'était une première. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui osent se jeter dans le bain comme ça, en direct. Et Mathieu, vous avez fait un super job parce que je trouve que ces vœux sont une réussite. Après, sur Facebook, j'ai regardé un petit peu les commentaires, et les gens sont très satisfaits de cette organisation. Donc merci à mes équipes, donc Mathieu bien évidemment, et vos équipes, Manon, Théo, Franck qui est là-bas caché. Merci à Tania, à Séverine, et bien évidemment, au travers de Séverine, je veux remercier tout le monde, puisque Séverine Van Cortenbosch est ma directrice générale des services, et elle transmettra bien évidemment mes remerciements à toutes mes équipes. Merci à notre chanteur qui vous a mis les poils, Mathieu, et m'a mis les poils aussi, Gaëtan, et puis Marion qui l'a accompagné au piano. Merci encore une fois à Sébastien et Priscille qui ont assuré la traduction. Et je regardais, d'ailleurs je lui fais un petit coucou à Domitille, qui à un moment donné, on a eu la traduction qui est partie, et c'était au moment où j'étais sur le réseau pour voir si tout fonctionnait bien. Et Domitille, comme quoi vous voyez, c'est utile cette traduction. Domitille s'est dit, oups, les vœux sont partis. Voilà. Les vœux sont partis, enfin les traductions étaient parties, comme 2021 qui s'en est allé. Et je l'ai écrit sur Facebook, et je vais répéter ce que j'ai écrit. Nous avions, comme de coutume, en 2021, émis des vœux dont certains se sont réalisés et d'autres non. Nous avions, comme de coutume, l'an passé, pris de bonnes résolutions dont certaines furent réussies et d'autres non. Ils se sont dit qu'ils allaient recourir tous les dimanches. Ça n'a pas forcément marché, mais je tiendrai bon, je vais recommencer. J'ai recommencé déjà les deux fois, là. Donc... allez, soyons dans l'espérance de pouvoir courir tous les dimanches. Et 2022 est arrivé, donc évitons toutes les littératures, les proses, disant, comment je veux dire, de faire ces résolutions ou de faire des vœux qui finalement sont sincères, mais comme je disais, il y en a qui se réalisent et d'autres pas. Moi, je pense sincèrement, et je reprends ce que disait Monsieur Petitot tout à l'heure, il faut prendre soin de nous, prendre soin les uns des autres. Et c'est ça le vœu que je ferai pour 2002, que chacun puisse être attentif à l'autre et profiter simplement de la chance qui nous est donnée de vivre chaque jour. Alors, je ne veux pas faire de publicité pour quelques serveurs qui mettent des films en ligne, mais hier, j'ai regardé un film qui s'appelle « Don't Look Up ». Alors, je ne dirai pas sur quelle plateforme, mais c'est drôle parce que c'est exactement ce que je viens de dire. La dernière réplique du film, c'est quand on y pense, qu'est-ce qu'on était bien. Et effectivement, on a la chance d'être en France, on a la chance de pouvoir aller à l'hôpital quand on est malade, et finalement, on a un service social qui est bon, on a la chance souvent de s'épauler les uns les autres, alors même si effectivement, il y a des personnes qui parfois, à juste titre, vont... râler dans la rue, et c'est un droit, et heureusement que ce droit perdure, et il faut que, bien évidemment, ce droit perdure, mais il ne faut pas oublier non plus les devoirs que chacun et chacune doit avoir envers l'autre, et c'est pour ça que je vous demande de prendre soin les uns des autres, et c'est le vœu que j'émets pour 2022. Mesdames et messieurs, les présidents des associations sportives et culturelles, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, mesdames et messieurs les Wambrechitaines et les Wambrecitains, au nom de tout mon conseil municipal, je vous souhaite une belle année à tous, une belle année 2022. Prenez soin de vous.